quelqu'un? Mamie? Voilà. Sato, pour te servir, Harry. Vous avez son visage? En fait, c'est plutôt lui qui a mon visage. Mais que dirais-tu de te joindre à moi pour le dîner? Tu pourrais peut-être découvrir pourquoi tu es ici, et la raison de notre flagrante ressemblance fait partie de l'histoire. Autrefois, les hommes vivaient en harmonie avec la magie. Elle rendait les sols fertiles et les maladies bénignes. Sa source provenait du cœur de la grande montagne, l'Umnanda Aurum. Qu'est-ce que la mort de la montagne a provoqué? Oh, bien des choses. La magie a d'abord quitté le cœur des hommes, et ils se sont tournés vers le seul homme qui pouvait encore pratiquer la magie, Istir. Mais il ne voulait que les dominer. Et il leur offrit seulement la mort. C'est comme ça que la magie a quitté ton monde. Je suis Sato, le serviteur de ton ancêtre. S'il parvient dans ton monde, ce sera la fin, et tu es le seul qui puisse l'en empêcher. Le seul. J'ai donc fait appel à toi. Cette prochaine semaine, je t'entraînerai, pour que tu puisses mettre fin au plan d'Istiar.
Ah ah Tu n'auras pas le temps pour regretter tes actes. Ton siège est vide. Nous y revoilà une fois de plus. Quand est-ce que tu oseras m'affronter en face? Tu n'es qu'un lard. C'est encore un de tes pièges. Tu m'as faussement indiqué le lieu où tu siégeais pour me tromper. Voilà pourquoi il n'y avait ni garde, ni obstacle pour venir jusqu'ici. Finalement, si tu parviens à franchir les barreaux de ta prison, tu restes atterri sans jamais sortir. Comme aujourd'hui, et hier, et même avant. Je te hais si profondément. Viens en finir une fois pour toutes, au lieu de jouer et de te cacher. Montre-toi! Montre-toi! Peut-être que je t'ai sous-estimé un peu. Maintenant, tu es digne de voir mon véritable visage, Harry. Elle est ancienne, mais très puissante. Sais-tu que j'ai vu le véritable cœur de la montagne? Je l'ai caressé de ma lame. Nos âmes se sont heurtées. Et son cœur m'a montré l'avenir. Sache que mes plans n'échoueront pas. À ton avis, qui t'a fait venir ici? C'est faux! J'ai ouvert ce livre de mon plein gré! Tu n'y étais pour rien! Tu n'es qu'une âme égarée qui a ouvert un artefact. C'est faux! De l'épée qui a saigné la montagne.